Tout le temps que la vie vagabonde laissera nos deux cœurs dans la ronde. Avec Chloé, en fait, on travaillait déjà sur un scénario, sur une écriture, et on nous a proposé de réaliser un court-métrage de la collection pour étudiants. Enfin, en fait, on nous a la boîte de production avec qui j'avais l'habitude de travailler, qui s'appelle Monita Cinéma, qui monte cette collection et qui nous a proposé de réaliser une des nouvelles inédites. Ça a surtout demandé de la préparation pour la danse, parce que moi je suis plus du tout danseuse. Et du coup, j'ai travaillé donc avec une chorégraphe et mon partenaire de jeu qui lui est danseur. Voilà, pour mettre en place les chorégraphies, parce que vu qu'elle reçoit le don de la danse à un moment, elle est censée danser merveilleusement bien, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc du coup, voilà, j'ai dû bosser ça à fond avant de faire ce court-métrage. Il faut me jurer de m'aimer tout le temps que la vie vagabonde laissera nos deux cœurs dans la ronde où le monde est en train de tourner. Attends, je vais juste regarder le capteur d'abord. Regardez l'esprit Vian, parce que l'esprit Vian, il est incarné par le diable et par le contrat faustien dans la nouvelle. Donc en fait, il y a cette touche de fantaisie, ou plutôt de fantastique dans notre histoire, puisque c'est l'histoire de Marina qui fait un contrat avec, qui fait un pacte avec le diable pour se faire aimer de Boris. Mais on a voulu traiter ça de manière très quotidienne et pas fantastique. Donc le diable, qui est incarné par Audrey Fleurot, est très impertinent, voyeur, et on joue pas d'effet quand elle arrive. On joue il n'y a pas d'effet de magie, quoi. On joue pas le côté fantastique. Magique. Ouais. Il faut me jurer de m'aimer tout le temps que la mer aux yeux pâles reviendra se draper comme un châle sur nos corps échauffés par l'été. Combien de serments déjà faits pour l'éternité se sont effacés.